La question est également intéressante car il y a une tentation de dire nous allons éliminer le produit, cela éliminera la consommation. Ceci est juste dans l'activité, on va dire, professionnelle, mais ceci n'est pas la réalité qui va éviter les effets de la consommation sur l'activité professionnelle. On peut très bien avoir consommé du cannabis ou de l'alcool avant d'arriver au travail et que c'est bien entendu les conséquences de la consommation qui vont être problématiques et non le fait de mettre le zéro alcool. Par ailleurs, mais évidemment, chaque entreprise pourra se positionner par rapport à ce point de vue. La question en termes de prévention est-elle d'éliminer l'objet à risque ou de favoriser sa prévention? Car en particulier pour l'alcool, il y a des consommations qui favorisent la convivialité sans qu'il y ait de risque professionnel. Évidemment, il en est différemment du cannabis.